Voilà le bâton de trekking, c'est un bâton de randonnée, hein. C'est un bâton qui est vendu par Grand Monkey Fer. Et on va voir tout de suite comment il est fait. Donc on a la boîte avec un mode d'emploi. Donc le mode d'emploi est en anglais, mais il est bien expliqué, comme vous pouvez le voir ici, hein, par les différents schémas. Donc il y a les étapes à suivre pour le mettre en œuvre et pour pouvoir l'utiliser. Donc toutes les explications sont dessus et même si c'est en anglais, on arrive à très bien l'utiliser. Après, voilà le bâton. Donc comme vous pouvez le voir, il est dans une petite pochette de rangement qui est bien aérée sur l'arrière, jolie et bien rangée. Donc vous voyez que là, il tient très peu de place en fin de compte, hein, une fois plié. Donc ça, c'est un grand avantage, hein, pour le mettre dans le sac à dos quand on part en randonnée parce qu'on l'utilise pas forcément tout le temps. Donc on le met dans le sac à dos si on veut pas l'utiliser. Il tient très peu de place et voilà. Ou sur le côté du sac à dos dans la petite pochette qui va bien. Donc ça, c'est un grand plus. Donc à l'intérieur de la pochette, on a le bâton qui est ici. Donc ça, c'est le petit truc qui va nous empêcher dans les terrains un peu mous que le bâton s'enfonce trop. Et vous avez le bâton ici. Donc la pochette, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc nous avons le bâton. Donc on va l'ouvrir, on va ôter cette partie-ci. Et comme vous pouvez voir, alors ça on peut le laisser dessus, hein. Ça gêne pas. Donc comme vous pouvez le voir, le bâton il est en trois parties. Donc cette partie-ci c'est la partie basse, hein. Bon, elle est un peu usée ici parce que j'ai marché avec, hein. J'ai fait un peu de marche pour le tester. Il est en trois parties. Les trois parties sont reliées par un câble ici qui est en... Alors il est revêtu en plastique mais c'est de l'acier le câble, hein. Donc très solide, ça va pas se casser, hein. C'est pas un élastique ou quoi que ce soit, c'est vraiment du câble solide. Donc là, c'est vraiment un très grand avantage. Ici, vous avez la partie qui va vous servir à verrouiller votre canne une fois qu'elle sera montée. Là, vous avez cette partie-ci qui va vous servir à régler la hauteur. Donc suivant votre taille, vous devez avoir normalement votre bras qui est à 90 degrés pour qu'il soit bien positionné. Et s'il n'est pas à 90 degrés, s'il est trop ouvert, et ben vous remontez un petit peu jusqu'à temps que vous l'ayez à 90 degrés. Et à 90 degrés, c'est la position idéale, et là, vous allez pouvoir marcher tranquillement. Bon, après, c'est une question de confort aussi, hein. Mais voilà, donc c'est très bien. Et ici, vous avez la poignée, qui est vraiment très, très, très agréable, hein, qui a une bonne tenue en main, comme vous pouvez le voir. La main est bien positionnée dessus. Vous avez la petite sangle qui va vous empêcher de glisser, de toujours garder la poignée bien en main. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors, le revêtement de la poignée, c'est un tissu plastifié qui est plutôt agréable au toucher et qui tient bien au niveau de la main, hein. La poignée, vraiment, elle est très, très bien. Enfin, moi, j'ai... Voilà. Elle est très, très bien. Ici, on va y mettre... Voilà, j'ôte. Donc vous y mettez ce petit embout ici, vous voyez comme ça, et voyez, voilà. Vous le vissez. Donc vissez-le, dévissez-le quand vous avez fini de l'utiliser, hein. Donc ça c'est pas obligé, vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez mettre ça. Bon, c'est comme vous voulez. Mais bon, en principe, si on met une bonne accroche, ça c'est pour, on va dire, le terrain qui est plutôt dur. Ici c'est quand vous allez. Alors la pointe, c'est une pointe en fer, c'est l'acier, hein, qui est un petit peu qui accroche au bout là. Donc là, c'est plutôt pour le terrain meuble. Donc c'est très bien. Donc et puis elle se dévisse pas comme ça, je veux dire, voilà, il faut quand même la tourner. Donc c'est voilà, je remets ça. C'est très bien. Pour fixer votre canne, pour la mettre en place, voilà. On va mettre tous les embouts dedans. Voilà, une fois que j'ai mis tous mes embouts, donc la canne, on la voit pas dans sa longueur totale, mais comme vous pouvez le voir, voilà. Je vais venir ici. Voilà. Je cherche. Donc, vous voyez, ici, sur la canne, j'ai un petit trait. Ici, vous avez un cadenas qui est ouvert, ici, un cadenas qui est fermé. Donc, le but, c'est d'emmener ce trait-ci ici. Pas en tournant comme ça, mais on va tirer vers le bas. On va écarter un petit peu jusqu'à temps qu'on voit, vous voyez, la flèche, le bout de la flèche. Après, on tourne et on ramène. Voilà, et on a entendu le clic. Donc le clic, ça veut bien dire que c'est verrouillé. Alors on va recommencer. Voilà. Et là, je peux lâcher et ça bouge plus. Et vous voyez que je peux tirer dessus, enfin pousser dessus, elle ne bougera pas. Et ma canne, elle est bien bien mise, elle est bien emboîtée de partout. Et là, je suis prêt à faire de la marche. Et après, si je veux régler ma hauteur de ma canne, je n'ai plus qu'à... Voilà, je déverrouille ici. Alors ici, vous avez le verrouillage.
Bien sûr, si vous voulez que ça serre plus, vous allez serrer un petit peu plus la vis ici qu'à l'arrière et vous réglez votre hauteur pour que vous ayez justement, comme je vous disais, le bras, le coude à 90 degrés. Donc après, c'est une question de confort aussi, hein. Donc à vous de voir. Une fois que vous l'avez réglé, vous verrouillez. Voilà. Et voyez que ça bouge plus. Une fois verrouillé, je tire dessus, ça bouge plus. Donc c'est vraiment facile à mettre en œuvre, facile à utiliser. C'est une canne qui a de très bonne qualité. C'est du métal, hein. Donc là, vous avez le métal. Vous avez la partie accouplement, le fil de fer qui est à l'intérieur, qui retient les trois morceaux. C'est du métal aussi, c'est de l'acier. Vous avez cette partie plastique là pour empêcher dans les sols un peu mous de trop s'enfoncer. Elle est réglable en hauteur, donc on peut aller jusqu'à 1 m 35. Ici, vous avez la petite partie en velcro que vous devez utiliser quand la canne elle est pliée pour les maintenir ensemble. Et là, la super poignée, enfin la poignée où vous êtes très à l'aise dessus. Voilà, très confortable, une bonne prise en main. Et là, sur l'arrière, alors hop, je vais essayer comme ça. Voilà, ici sur l'arrière, on a un petit bouton. Alors, on pourrait penser que c'est pas un bouton, mais si, c'est un petit bouton qui va vous permettre de régler cette sangle aussi. Donc la sangle ici, si je veux la diminuer au niveau grandeur, donc je vais appuyer dessus, voilà, j'appuie bien dessus et je tire, voilà. Et donc je règle ma sangle ici. Donc ça c'est un vrai plus, on peut régler sa sangle, bonne tenue en main au niveau de la poignée, réglable en hauteur, facile à assembler, comme vous avez pu le voir, voilà, je tire, hop, je la déverrouille, voilà. Et maintenant je désassemble mes trois morceaux. Sont ici, voilà, je les plie, je la rattache, et vous voyez qu'elle est facile comme tout à plier. En 2 minutes, vous l'avez pliée, même pas en 2 minutes, hein, en 1 minute, elle est pliée. Il vous restera plus qu'à la ranger dans la housse fournie avec. C'est un très bon bâton, c'est un bâton de trekking, de randonnée, qui est vendu par Grand Monkey FR. C'est un bâton de trekking que je vous conseille.